Coucou les amis, on se retrouve avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo haul Rose Gall plus plein de petits... plus... on commence très bien, hein? Plus plein de petits trucs, peut-être ça va vous donner des idées de cadeaux de Noël. Voilà, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Restez, voilà, je commence. Alors, on commence avec les accessoires... Ouf, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? 1, 2, 3. Alors, on commence avec les accessoires. Je sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui est lunettes de soleil, sac. Vous savez que je suis folle de sac. Bref, du coup, d'abord je vous montre les accessoires. Et tout d'abord, j'ai commandé ce petit sac qui j'aime trop. Vraiment, il est beaucoup trop beau. Il est, on dirait, un petit peu en daim. Et la matière est très agréable. C'est en imprimé léopard, bien sûr. Comme tout le monde a maintenant, c'est très tendance, bien sûr. Moi je sors pas du lot, je suis la foule, mais vraiment j'aime beaucoup cette tendance. Et du coup ce petit sac, il est trop mignon, il est pas très grand, il est pas trop petit. Les 11, je crois qu'on dit comme ça à chaque fois, j'oublie. Voilà, vous pouvez porter à long comme ça sur les épaules, sinon vous pouvez raccourcir si vous voulez. Le sac même, je pense que vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Vous voyez, en intérieur il est assez il est pas très grand, mais il est assez grand quand même. Vous pouvez mettre une petite portefeuille et un portable et un rouge à lèvres, tout ce qu'on a besoin les filles. Voilà, et il se ferme comme ça, les détails sont dorés, la chaîne est dorée aussi. Je trouve ça trop classe. Et vraiment, si vous osez pas trop cette tendance léopard d'imprimé animal et tout, je trouve que en accessoire, vraiment vous pouvez tenter. Et ce que je fais, j'adore, j'assume à 100%. Ensuite, vous savez très bien que des lunettes de soleil, moi ça fait un, j'ai une collection de ouf et ça continue à grandir. J'adore des lunettes de soleil et du coup à chaque fois que j'ai la possibilité de commander sur le site de vêtements machin, je commande les lunettes de soleil. Alors j'ai reçu dans un petit étui, je crois qu'on dit comme ça, de la marque Zafou, je pense que vous connaissez tous. Il y a une petite mouchoir pour essuyer. Voilà, ça se ferme à zip, trop bien, vraiment trop costaud les trucs. Et les lunettes de soleil sont comme ça. Ils sont pas très grands, ils ont la forme un petit peu, vous voyez, c'est pas tout à fait rond, c'est pas tout à fait ovale, voilà, c'est un petit peu rond, cassé, voilà, comme ça. Et hexagonal, je crois qu'on dit comme ça. Et des lunettes, ils sont... je sais pas, j'aime trop. Ça sent que c'est pas net des hyper qualité, mais je trouve, pour donner un petit style et tout, je trouve vraiment ils sont trop belles. Beau, belle, je sais pas, on m'a compris. Voilà, des petites lunettes de soleil, ça change un petit peu. Ils sont noirs foncés, il y a des couleurs différentes. Tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et je les aime trop. Ensuite, pour continuer dans le lunettes de soleil, celui-ci, j'ai pas reçu avec un tuyau à lunettes. Là il s'était bien emballé, mais bon voilà. Alors il se présente comme ça, c'est des lunettes policiers, je les appelle comme ça. Vous voyez, c'est des lunettes un petit peu à la Ray-Ban aussi. J'aime trop, je sais pas, je trouve que ça change un petit peu. Et comme j'aime beaucoup changer des lunettes, presque chaque jour je change. Ça dépend du look et tout. Et bah j'aime trop, je sais pas. Je trouve que j'ai la tête à lunettes. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème à lunettes pour porter différentes formes de lunettes, mais cela j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un petit colis, et dans le colis il y avait ce petit collier qui se présente voilà comme ça. Et j'ai choisi la couleur argentée parce que c'est ce que je préfère au niveau de bijoux. Il y a une petite lune, il y a une petite étoile, c'est beaucoup trop mignon. Je crois qu'on fait comme ça, hein, on fait genre un nœud et là ça s'accroche ici, voilà. J'aime bien, mais je vous dis la vérité, comme d'habitude, je pensais que ça va être plus quali. Je trouve pas la qualité exceptionnelle, mais comme c'est pas cher, ça change un petit peu. Et puis voilà, c'est trop mignon. Ensuite, je me suis commandé une paire, n'importe quoi, il y a un problème aujourd'hui. Et la montre, voilà, en noir, je trouve ça pour l'hiver, c'est le plus classique et ça passe avec tout. Et il est super classique, rien à dire, pas de logo ni rien du tout. En intérieur, il est moitié mat, moitié lisse, un petit peu comme ça. Voilà, je trouve que ça change un petit peu. Il est tout noir, même le truc là, il est genre mat un petit peu. C'est bizarre cette matière.
Mais voilà, ça change un petit peu, c'est unisexe, vous pouvez porter comme les garçons, comme les filles, pareil. Et voilà, trop mignon, trop bien. Et là les gars, vraiment, avec Rémi, on était choqués, j'ai commandé un petit portefeuille pour mon frère. Comme ça, parce que Lucien, il est au bout de sa vie. Du coup, je commande, je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion, je lui ai commandé ce portefeuille. Les gars, si vous cherchez un petit cadeau pour votre copain, pour votre père ou quelque chose, franchement, vous achetez ailleurs une petite boîte pour faire un joli cadeau, un joli packaging. Mais ce portefeuille-là, c'est un truc de fou. Il est de super bonne qualité. Ça sent la cuir, je vous jure. En intérieur, il y a plein de compartiments. Et ça sent que c'est la qualité. Vraiment, j'étais choquée de la qualité, je vous jure. En intérieur, voilà, c'est comme tous les portefeuilles. Mais il est tout doux. La simili cuir, elle est vraiment bien faite. Voilà, il y a un compartiment aussi pour mettre les petites pièces. Il se ferme comme ça. Vous voyez, il y a une petite marque qu'on connaissait personne, voilà, qui sort un petit peu. Je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas, j'ai montré déjà à mon frère, il a dit ah bah merci et tout, et il était trop content aussi. Du coup voilà, je vous montre en vidéo et je lui donne tout de suite. Ensuite, je me suis commandé une petite robe. Je la trouve vraiment très très mignonne. C'est une robe tout simple, à rayures. Un rayure, je crois qu'on prononce comme ça, avec des épaules, comment dire, les... Voilà, vous m'avez compris. Voilà, toute fine, les bretelles toutes fines. Là devant, il y a le lassage qui continue pas tout au long, mais c'est bien aussi. Je l'ai commandé, pour tout vous dire, cette robe pour l'été prochain. Mais franchement, quand je l'ai reçue, elle est vraiment de super bonne qualité. En coton et tout, elle est super doublée tout au long. Vous voyez, il y a une doublure, elle n'est pas transparente du tout. Et franchement, si vous mettez cette robe, en plus les couleurs, ça passe en hiver aussi. Si vous mettez cette robe avec un petit col roulé qui colle à la peau, vraiment, même en hiver, vous pouvez la porter. Et cette robe, elle est longue, elle est jusqu'au genou. Et il y a des poches aussi, vraiment, je suis en kiff total avec cette robe. Et en plus, elle a coûté pas très cher, je vais mettre les liens en barre d'infos. Franchement, Rose Gal, bravo! Ensuite, je me suis commandé une petite robe en jean. C'est toute ma vie, hein. J'adore la robe en jean. Toujours je cherche en robe en jean. Et je trouve jamais les robes en jean canon que j'ai rêvé. Celle-là, elle s'approche vraiment de près de la robe en jean que je cherche toute ma vie. Vraiment, elle est de très très bonne qualité. Le jean est de bonne qualité aussi. Et elle est longue jusqu'au genou parce que c'est la longueur qui me va le mieux à ma morphologie. Il y a une ceinture en jean aussi. Elle est vraiment épaisse, cette robe. Vous voyez, elle est, vous pouvez l'ouvrir jusqu'en bas. Elle est vraiment épaisse. Et franchement, si vous mettez des collants ou des bottines, vous pouvez la mettre tranquillement en hiver. En plus, avec la ceinture, ça sert bien la taille. Vous pouvez faire un petit nœud sympa et tout. Vraiment. Et même, vous pouvez le porter ouvert comme un trench. Hein. Franchement. Je suis très contente de cette robe en jean, hein, vraiment trop bien. Et le dernier article que j'ai reçu de chez Rose Gal, là c'est la déception par contre. Vraiment, je vais vous montrer la photo quelque part sur l'écran pour que vous voyez mieux ce que j'ai voulu commander, ce que j'ai reçu franchement. Ça censait être le pantalon jogging soi-disant avec les bandes jaunes de deux côtés. Je me suis dit c'est les pantalons noirs avec les bandes jaunes, ça change un petit peu, ça peut être cool et tout. Déjà la taille est juste immense, c'est trop grand pour moi, c'est pas possible. Et deuxième truc, le plus important, c'est la matière. Les gars, je vous raconte pas, c'est la pure merde, je vous jure. Voilà, je vais mettre quand même les liens, peut-être, si je le trouve en barre d'infos, parce que franchement, je vais pas... je n'ai pas envie de vous mettre les liens en barre d'infos de ce truc-là, parce que c'est la déception. Toute la commande, vraiment, je suis très contente de Rose Gal, mais ce pantalon-là, non merci. La matière, c'est le plastique dégueulasse, là... qui respire pas, franchement, encore une fois, même à donner, c'est pas possible à donner quelqu'un parce que c'est pas bien. Et puis voilà les amis, c'est fini avec le haul Rose Gal. Là je vais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus qui peuvent vous donner, du coup les idées cadeaux pour vos proches par exemple. Tout premier truc de chez Octoly, grâce à la marque Clinique, j'ai reçu une petite rouge à lèvres mat qui est trop mignon, mais comme tous les rouges à lèvres de chez Clinique, ils sont trop classe. Vous voyez, ils se présentent comme ça, vraiment pour enfiler dans votre sac à main, c'est le mieux à faire. Il y a la marque Clinique, voilà, hop. Et là, vous voyez la couleur, c'est genre
rouge, brique, cerise, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment la couleur est magnifique pour cette saison automne-hiver, même début de printemps. Vraiment à tomber par terre, je vous jure, on valide. Ensuite, le deuxième produit que j'ai reçu de la plateforme Octoly et de la marque White Society, j'ai reçu un petit coffret comme ça. J'étais vraiment choquée, c'est beaucoup trop mignon. En vrai de vrai, j'ai pensé que ça va être un tout petit peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop mignon quand même. Et vraiment, c'est bien pratique. Vous voyez, c'est le petit coffret en coton, genre vous ouvrez. Ça s'ouvre avec un zip, vous ouvrez et en intérieur en fait vous trouvez 6 parfums différents avec une petite pochette en coton pareil et avec un petit truc, je sais pas comment on appelle ça, dites-moi en commentaire, je sais pas du tout, mais genre le parfum là par exemple, vous choisissez ce parfum par exemple, voilà, vous l'utilisez, il est trop bien et tout quand vous voulez. Et au bout d'un moment, bah, il est fini parce que chaque petit parfum, c'est 10 ml de parfum, il faut savoir. Et s'il est fini, par exemple, et vous voulez enfiler un autre parfum ici, le parfum à votre choix, hein, que vous aimez bien et tout, ou carrément un autre produit dans le petit pot comme ça, parce que c'est très pratique quand on part en voyage. Et justement, ce petit coffret-là, il était sorti pour le week-end, en fait, ça s'appelle Weekender. Et je trouve ça génial, je vous jure. Et du coup, vous pouvez mettre le truc là en intérieur et mettre le produit ou un autre parfum très facilement et réutiliser ce petit pot. Je trouve ça génial vraiment parce qu'à chaque fois on finit le parfum, hop, on jette carrément la petite bouteille et là on peut réutiliser. Et les parfums, ça sent vraiment super bon. Les trucs, c'est qu'ils sont trop petits, du coup vous pouvez changer chaque jour. Vous sortez celui-là de votre sac à main, vous filez un autre, c'est trop cool. Même si vous avez un tout petit sac à main, bah ça rentre, je suis désolée, c'est trop bien. Et hop, vous mettez un petit coup. En plus, moi, vous savez que je suis obsédée par tout ce qui sent bon, du coup à chaque fois avec moi il y a des petits parfums. Là en ce moment là, c'est les parfums de chez Primark, mais je l'utilise tellement que bientôt je vais commencer à utiliser celui-là. Vraiment, il y a les senteurs différents, je vais vous dire. Alors, il y a menthe, bergamote, pamplemousse, poirnachi, rose absolue, angélique, il y a en intérieur du violet et du muscat, et rhum, vanille. Voilà, il y a plein de petits trucs qui vous expliquent tout, c'est beaucoup trop mignon. Mais vraiment, les parfums sont complètement différents, genre c'est pas les parfums qui se ressemblent et tout. Et c'est sûr que ça va plaire à vos proches ou à qui vous allez l'offrir. Et du coup voilà, je suis fan de concept, je suis fan de ce petit coffret. Mon petit préféré, ça reste quand même ces boîtes cachemire en fait. Ça sent trop bon, vraiment. Trop bien, merci. Alors, grâce à la plateforme Admingle et grâce à la marque Vela, j'ai reçu 3 petits produits. Petits, vite fait pour petits, qui sont trop mignons pareil. Par exemple, si vous achetez une petite boîte qui est trop jolie, vous mettez 3 petits produits, je trouve que comme cadeau de Noël pour vos proches, pour votre tante ou pour votre grand sœur, franchement ça peut que plaire. Et l'odeur a tombé, et pour les cheveux ça sert toujours, on a toujours besoin, les femmes, les produits pour les cheveux, c'est toujours bien de tester les nouvelles marques, les nouveaux trucs qui sortent. Et du coup, les 3 petits produits que j'ai reçus, c'est un conditionnel que vous utilisez après le shampoing, le shampoing même, et l'huile enrichissante en fait de la marque Vela aussi. C'est leur nouvelle gamme, vraiment j'ai hâte de la tester. Je vous dis la vérité, j'ai pas encore testé, mais connaissant la marque, je pense que ça peut pas être un flop. Et comme j'ai les cheveux un petit peu, voilà, je les colorais et tout, et ils ont subi, les pauvres. Et ça peut que faire du bien. Et en plus, de l'huile, je suis fan pour les cheveux, pour mes cheveux blancs en plus, c'est trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, grâce à la plateforme Ivancy, j'ai reçu un colis de ouf malade. Vraiment, Rémi, il est allé chercher à la poste parce que ils ont pas pu mettre ça dans la boîte aux lettres. J'ai reçu une super grande boîte avec un sac immense, un sac de sport en intérieur avec plein de produits en intérieur. Je vais tout vous montrer, mais vraiment pour un mec ou pour votre mec, pour votre frère, pour votre oncle ou je sais pas qui, pour votre père, je trouve que nous aussi on va l'offrir d'ailleurs, ce petit sac avec plein de produits. Ça vient de la marque Birchbox, c'est
voilà, je pense que vous connaissez tous. Il y a plein de petits produits, je vais vous montrer. Alors dans ce sac là, dans ce sac de sport, déjà le sac de sport ça sert toujours et il a l'air de bonne qualité. Il y a exclusivement les produits pour l'homme, pour un garçon. Et du coup tout d'abord il y a un scrub pour le visage. Ensuite il y a le savon liquide de Marseille. Ensuite il y a un déodorant comme ça en bol, je sais pas comment dire. Vous voyez qui roule comme ça, le déodorant de la marque Polar. Ensuite, dans une petite boîte beaucoup trop mignonne, vraiment, mais j'ai craqué, je vous jure, c'est tellement mignon. Il y a une petite boîte avec deux petites fenêtres comme ça. Et en intérieur, c'est deux paires de chaussettes. Mais est-ce que c'est pas trop choupinette? Je sais pas, moi je suis en kiff total. Et c'est des chaussettes qui se ferment comme ça à boutons. C'est production 100% française. Et l'autre chaussette, pareil, elle est beaucoup trop mignon avec les petits trucs de mer là. Mais je trouve ça beaucoup trop adorable, je sais pas. Je trouve ça trop mignon, ça peut pas ne pas plaire en fait, ce petit cadeau. Next. Ensuite, de la marque Dermatologica, dans ce sac, il y avait une crème hydratante pour l'homme aussi. Ensuite, il y a une mousse pour nettoyer et raser, préparer les poils pour les raser. Je pense que ça adoucit un petit peu les poils, une petite mousse comme ça. Il y a vraiment plein de petits produits. Hein. Ensuite, il y a le shampoing dans une bouteille comme ça. Et c'est trop original, je trouve. Le shampoing de la marque Natural Tech. Et pour finir, il y a un an d'abonnement. Il y a un code promo, en fait, d'un an abonnement du journal GQ. Je trouve ça trop génial aussi. C'est un journal pour hommes. Il y a des voitures, il y a les meufs, bien sûr. Il y a la mode, voilà. Il y a des montres, il y a plein de petits trucs. Je trouve vraiment que ce que ça vaut... En vrai, je trouve ça super bon cadeau. Trop bien. Merci beaucoup Yvan aussi et Birchbox. Voilà les amis, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des petites idées cadeaux et tout. Parce qu'on s'approche à petits pas, à grands pas même, vers Noël. Et vraiment, je pense que là avec Rémi, on commence déjà à se dire merde, il faut se dépêcher parce que ça approche super vite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous!